Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Dark Souls pour voir où trouver les différents sorts de lance d'âme, la normale, la grande et la très grande. Et pour ça, il vous faut progresser dans l'aventure principale jusqu'à avoir fait sonner les deux cloches, avoir vaincu Kehelag et les doubles gargouilles, et on va se rendre au niveau du forgeron. C'est le feu central du jeu qui est absolument incontournable. Et quand vous avez fait sonner les deux cloches à ce stade du jeu, vous avez débloqué juste ici la forteresse de Senn. C'est là-bas qu'on va se rendre. Hop, il va y avoir des ennemis à tuer, donc on va peut-être perdre un petit peu de temps. Là, il y a deux hommes serpents. Voilà, je les ai tués. On avance. J'ai perdu trois potions, hein. C'est équilibré, en tout cas. Hop, on franchit le pont. Attention aux haches. Faut faire attention aux reptiles, voilà, qui nous lancent des attaques électriques. On se met sous le pont pour tuer le reptilien. On prend son temps. Il va tomber. Voilà, allez, ça c'est fait. On va à gauche. Bouclier. On évite les haches. Voilà. On la tue. Elle est pas dure à tuer. Elle s'est pris les flèches. Ok. Là, c'est ici. Alors, il va falloir faire une manœuvre pour faire péter le mur. Barre-toi. Il est ici. Et pour ça, il faut faire tourner le mécanisme qu'il y a là-haut. Donc, ici, vous montez. Évitez la boule. Moi, la boule, je l'ai décalée, donc elle n'est plus là. Hop, on avance. Là, la boule, elle va revenir ici. Pour aucune raison. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oula, si, si, j'ai bien fait. Je connais le jeu, je le savais. Je le savais! One shot. Alors, ça, c'est du pur hasard. Ça, c'est du pur hasard. Là, on descend. On suit la boule. Et on va à gauche. Là, je suis sûr que c'est un mimique, donc j'ai évité de récupérer le coffre, mais je crois que c'est un mimique. Dans le doute, j'ai pas touché. Je vous laisse faire l'expérience. Hop, ascenseur. On se retourne, on saute très rapidement ici. On monte. Et là, je crois qu'il faut monter. C'est ça. Hop, on monte. Et on a accès au fameux mécanisme. Donc pour le moment, la boule tourne ici. Et si vous revenez à la forteresse de Senn, même si vous avez modifié, enfin si vous avez poussé le mécanisme, il va se remettre à cet emplacement-ci, comme tout à l'heure, pour revenir vous faire chier dans le couloir. Même si ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, vous le retournez. Hop. Et maintenant, il va taper par là. On poursuit la boule. Là, on se décale. On laisse passer la boule. Voilà. Et en fait, la boule, elle va faire péter le mur ici et faire apparaître un grand trou. On se redécale. On fait attention à la boule. Voilà. On avance, on avance. Là, on a des cages pour se cacher. Pour laisser passer la boule. Voilà. Et notre magicien, il va être dans cette cage ici, il me semble, ou dans l'autre. Donc, vous lui parlez. Ça va vous demander de débloquer la clé passe-partout que vous avez aussi très probablement. C'est la clé principale du jeu qui débloque tout. Donc, je rappelle, le PNJ,
Il est ici, là. Hop. Et donc, la clé du passe-partout, pour rappel, on peut l'acheter au premier marchand du jeu, au village des morts-vivants, au tout début du jeu, là où il y a le dragon, au tout début. Donc, quand vous êtes au niveau du feu, le premier feu du jeu, là, au village des morts-vivants, vous sortez, vous allez à droite, à gauche, et vous cassez des caisses, ça va débloquer un petit escalier qu'il y avait en dessous les caisses, et là il y a le marchand qui vous vend le passe-partout. C'est vraiment la clé qu'on a en tout début de jeu au bout de 15 minutes, hein, d'accord? On peut aussi l'avoir en bénédiction en tout début de jeu quand on crée son personnage. On peut commencer le jeu avec le passe-partout. Voilà. Une fois que vous avez épuisé toutes ces bulles de dialogue, il va se rendre à l'Ichefeu, et c'est là qu'on va aller lui parler. Une fois que vous l'avez libéré, vous devez vous retaper tout le trajet en marche arrière jusqu'à l'Ichefeu. D'accord, le premier feu du jeu. Et il sera, regardez là, on monte vers le village des morts-vivants. On passe à côté du puits, il est juste là maintenant. Hello there. Bonjour, etc. Je vais vous I'm apprendre la afraid that you're not the sorcellerie. basic framework. Oh, do not, don't. Vous lui parlez, etc. Logan ne vous apprendra pas de sortilège si vous n'avez pas au moins 15 points en intelligence, comme moi. Hello. Donc, je ne peux pas apprendre la sorcellerie. Une fois que vous avez 15 points en intelligence, il va y avoir son shop qui va s'ouvrir. Et c'est dans ce shop que nous allons pouvoir apprendre le sortilège en question. Là, il essaie de m'attaquer parce que, en tournant la vidéo, j'ai misclick et je lui donnais un coup et il veut immédiatement me tuer. Donc, je ne peux plus apprendre de sortilège parce que dans Dark Souls, le jeu sauvegarde automatiquement. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!